le tirage au sort de la Coupe de France dans une demi-heure environ, avec les deux invités que vous connaissez, avec Mireille Darc et Coluche. Donc nous choisissons toujours des mains innocentes pour procéder à ce tirage au sort. Alors, je voudrais vous demander, Mireille, d'abord, j'ai vu il y a quelques temps dans un journal, le journal du dimanche, que vous aimiez les machos et les vainqueurs. Est-ce que ça veut dire que vous aimez aussi les champions de football? Oh, ça ne veut pas dire qu'un footballeur est un macho, hein. Mais enfin, j'aime plutôt les hommes sportifs, en effet. Vous avez des champions que vous préférez dans le football français? Ils sont tous partis, les champions. Il y en a deux de partis, on va en parler d'ailleurs. Vous faites un enchaînement parfait pour le début de cette émission. Il y en a deux qui sont à l'étranger, c'est Platini et Sick. Ce sont vos préférés? Assez, oui. Alors, Coluche, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le ballon rond? Ah ben, moi, non, ça... Il les machos, aussi. Non, c'est pas la question. Ce qui est bien dans le football, c'est que... C'est un sport où tout le monde a sa chance, quoi. Ça, c'est sympa pour les joueurs. Tout le monde peut devenir champion, quoi. C'est plus facile que dans le show business? Ah, je sais pas si c'est facile, non, je dirais pas ça, mais enfin, c'est un truc d'adresse, quoi. Celui qui est à droit, il peut s'en sortir, quoi. C'est un bon boulot. Alors, je vous rappelle comment ça se passe. C'est M. Gilbert Gauthier qui va vérifier si tout se passe bien. Il y a des numéros pour les 8 clubs qualifiés. Le 1 pour Brest, le 2 pour Guingamp, le 3 pour Lille, le 4 pour Nantes, le 5 pour le Racing Parisien, le 6 pour Paris Saint-Germain, le 7 pour Rouen. Et là, le 8 pour Tours. Donc vous tirez, Mireille Darc et Coluche, des petites billes. Vous les donnez à M. Gauthier. Il y a un numéro, ça correspond au pays. Ouais, le président Borrelli vient de faire le signe de croix, on se signe. Alors le premier tiré, c'est le 1, Brest. C'est-à-dire Brest. Ah. Premier match, Brest qui fait une fin de saison extraordinaire en championnat et en coupe. Lequel vous voulez? Lequel vous souhaitez? Ah, je regarde pas, j'ai pas Dieu, là, regardez. Alors, le 6, voyons voir le 6, où c'est qu'il va être celui-là? Eh bien, le voilà. C'est le 6, ouais. C'était vraiment... Ça fait truquer, mais en fait, je ne vois pas, vous voyez. Non, mais c'est bien le 6, Brest, je vous fais constater. Ça pourrait être le 9, mais il y en a pour constater, 6. Ah, c'est le 6, hein, ça, voilà. Ça peut pas être le 9. Non, c'est le 6. Et vous voyez le petit bouton jaune qui clignote? Et bien vous cliquez dessus et hop, vous êtes abonné à notre chaîne Téléfoot. Et vous ne raterez rien des prochaines vidéos. Et oui, parce que nous, on ne s'arrête pas pendant les vacances.